Ces gens-là, tu fais le tour du monde. T'as compris? Tu les laisses à un bar. Ce que je dis souvent dans le comedy club, il y a des connards, des connasses qui sont toujours là à dire tel est cool, tel est pas cool. Ces gens-là qui font ça, qui mettent de l'énergie là-dedans, tu les laisses à une table, de terrasse, en train de picoler du rosé. Tu fais le tour du monde. Tu grandis, tu découvres plein de choses. Tu reviens de ton tour du monde, ils sont à la même table, en train de boire le même rosé et en train de dire la même merde. Parce qu'ils ont été incapables de gérer leur frustration. Tu comprends? Ces mecs-là dont je te parle de la compagnie du café quand j'y étais, en fait, ils étaient frustrés de me voir entreprendre un truc qu'eux, ils veulent faire depuis le début. Mais eux, ils l'ont pas fait. Ils ont préféré commenter, faire chier, mettre des bâtons dans les roues, plutôt que de faire ce qu'ils voulaient faire. La geste, la capacité que tu as à gérer ta frustration détermine ta réussite. Frère, il faut arriver à reset, hein? Il y a des moments dans notre vie, si on reset pas, c'est chaud. Et il faut arriver à faire reset. Il faut arriver à réinitialiser le cerveau. Il faut arriver à dire, bon, j'ai pris 6-0 ce matin, c'est pas grave. Vas-y, on avance, on fait autre chose, tu vois? C'est important.